même si on n'avait pas beaucoup d'illusions sur le gouvernement solférinien, je peux vous dire en parlant franchement que personne ne s'attendait à prendre autant de coups sur la tête en aussi peu de temps et de manière aussi violente. Donc il y a vraiment, c'est plus ici que de la sidération, c'est de la colère. La fête de l'UMA, c'est surtout une fête de mobilisation, d'abord une fête de mobilisation, parce qu'on est dans une rentrée où il y a beaucoup d'urgences sociales, beaucoup de mécontentement sur la politique gouvernementale en matière de retraite. Je dis à l'électorat de gauche qui a voté pour le changement il y a 15 mois, ne renoncez pas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont voté Hollande dès le premier tour et qui sont désorientés par la politique menée par le gouvernement. Eh bien moi, je leur tends la main. Et je veux un front de gauche de la main tendue à tous ces électeurs de gauche qui ont voulu la victoire en mai 2012, qui ne se reconnaissent pas aujourd'hui dans la politique gouvernementale. C'est terrible parce que même la scène centrale, moi, j'arrive pas à y aller.